comme l'ont rapporté nos confrères du magazine Hello. Ce vendredi 12 janvier 2024, des incroyables clichés des August, le fils aîné d'Eugénie des York et de son époux Jack Brooks Bank ont été relayés sur les réseaux sociaux. Ayant eu la chance de pouvoir pleinement profiter du soleil jamaïcain avec ses parents, le garçonnet semblait aux anges. Et il est de plus la copie parfaite du prince Harry. La suite après la publicité au fil des décennies, Eugénie des York, figure incontournable des Windsor, a su gagner en popularité. Un temps moqué par quelques tabloïds au même titre que sa sœur la princesse Béatrice, cette période semble à présent révolue. En ce début d'année 2024, Eugénie des York est partie en voyage en famille en Jamaïque, accompagnée de quelques amis. Via sa story Instagram comme l'a rapporté Hello. Ce vendredi 12 janvier 2024, Brendan Fallis, le mari de l'influence Susanna Bronfman qui était de la partie a naturellement partagé quelques images de leurs idylliques vacances. Ainsi, les internautes ont pu admirer Eugénie des York et son époux Jack Brooks Bank, entourés d'autres couples et de leurs enfants. Quand les traditions commencent, a inscrit Brendan Fallis en légende de l'une de ses publications. L'occasion pour les fans de la famille royale britannique de constater à quel point les petits-enfants de Sarah Ferguson et du prince Andrew avaient bien grandi. Le prince Harry n'a quoi bien se tenir. Devant l'objectif Ernest, le cadet de la fratrie né en juin dernier est confortablement installé sur les genoux de son père tandis que son frère aîné August âgé de 2 et demi, paré d'un haut vert, a pris la pose au milieu de l'assemblée. Une belle publication qui a bien évidemment fait le tour du monde. Sur la toile, les internautes ont été des milliers à tiquer quant à la ressemblance frappante des August et du prince Harry à son âge. Avec sa frange coiffée avec soin, son hilarante moue, et ses joues bien rebondies, ce dernier est la copie parfaite du cousin germain de son illustre génitrice. En 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la regrettée reine Elisabeth II, le garçonnet avait ainsi fait ses premiers débuts royaux sous le regard très attentif de ses parents. À seulement un an, le grand frère d'E. Ernest avait brillamment réussi à voler la vedette à certains membres du clan Windsor. Chapeau. La suite après la publicité.